Ok, 1, 2, 3. Pause. En fait, quoi? Parce que là, si j'analyse la situation, on voit une foule, un gros gâteau et deux bougies. On fête un anniversaire bien particulier. C'est l'anniversaire de Musée en quarantaine, d'où le gros gâteau et les deux bougies. Et la foule que vous voyez, c'est une partie de l'équipe du Mage qui est dévouée, qui écrit des articles, qui fait des vidéos, qui fait des balados aussi sur le blog de Musée en quarantaine. Alors, je pense aussi que c'est des personnes qui ont très envie de manger du gâteau. Certes. Aujourd'hui, on ne va pas analyser une œuvre d'art, mais bien la vidéo d'anniversaire de Musée en quarantaine. Alors on rembobine. Tout commence un 18 mars 2020 avec l'annonce d'un nouveau projet, Musée en quarantaine. Musée en quarantaine, c'est le rassemblement des idées de toute une équipe pour créer un lieu virtuel où la communauté s'exprime créativement. C'est un projet lancé en quelques jours seulement. C'est allé vite et ça nous a légèrement fait capoter. C'est aussi une batterie de tests. Un laboratoire où l'équipe du Mage a connu de nombreuses réussites et parfois des défis. Alors on essaye quand même, c'est 1, 2, 3... J'aurais dû commencer par allumer les bougies. Mais le plus important, c'est qu'on s'est relevé et qu'avec plus de 2000 participantes et participants, on a bâti un lieu où tout le monde a sa place. Et c'est bien ça qu'on fait aujourd'hui. Yeah. En tout cas, moi, j'avais envie de manger du gâteau.